Salut les filles, je viens de découvrir un produit dément qui m'a fait penser au problème d'intensité de fard à paupières. Ce que j'ai remarqué en leçon de maquillage et même dans les photos que vous postez aussi, souvent vous avez du mal à comprendre la différence entre une intensité claire, moyenne et foncée. Or c'est ce qui fait toute l'architecture d'un maquillage et tout le volume, toute la profondeur que ça donne au regard. Donc c'est super important de bien distinguer les différentes intensités et de les utiliser au bon endroit sur la paupière. Pour avoir un résultat sympa, parce que si vous mettez que des couleurs claires, que des couleurs moyennes ou que des couleurs foncées, encore que des couleurs foncées ça va parce que ça va faire un smoky donc ça va pas être moche, mais par exemple que des couleurs moyennes, autant mettre une seule et faire un halo, parce que sinon ça va être moins intéressant. Et donc ce truc qui m'a fait penser à ça, c'est ça, c'est les palettes Ice to Kill de Givenchy, d'Armani pardon, voilà. Donc Ice to Kill, ça représente une cible, hein, vous voyez, et celle-ci c'est la numéro 1 je crois. Enfin, je vous précisais ça dans le machin, là, dans la liste. Et je trouve ça, cette palette-là est génialement bien faite pour ça, parce qu'il y a vraiment les trois intensités. Il y a le clair, le moyen et le foncé. C'est-à-dire du quasi blanc, du un peu gris et du noir-noir. Enfin, c'est un taupe clair, en fait, celui-là, le quasi gris. Et du vrai noir. Et là, c'est ce que j'ai utilisé. Vous voyez, ça donne pas du tout comme dans la palette. Et pourtant, on a les différences d'intensité qui rendent ça intéressant. Donc, je me suis dit, vraiment, c'était le truc idéal pour vous montrer. Et puis, en plus, c'est top, quoi. Hein. Je l'ai déjà essayé. Là, je l'ai mis sans base et tout. Ça tient super bien. C'est facile à estomper. C'est des super produits, hein. En même temps, Armani. Forcément, on n'est pas très surprise que ce soit top. Le produit est hyper joli, hein, évidemment. Le seul bémol que j'ai, c'est que la zone, pour prendre la zone, est toute petite, donc il faut utiliser des petits pinceaux. Sinon, on les mélange entre eux, donc c'est un peu moins pratique. Mais sinon, c'est top, c'est le truc. Maintenant, c'est simple, hein, quand je vais partir en week-end, je vais emmener juste ça. Et un pinceau relativement petit, c'est top, quoi. Puis voilà, c'est le maquillage qui va pour toutes les circonstances. Je suis complètement emballée. Alors, je vous montre. Je commence par... J'ai un pinceau propre, est-ce que j'ai fait n'importe quoi avec tous mes pinceaux? Je vais commencer par le taupe clair, là, avec un pinceau plat. Donc là, c'est un Everyday Minerals plat. Et je prends donc, en faisant gaffe de ne pas mélanger les couleurs, je prends du taupe clair. Et j'en mets... Attention, ça file un peu dans... L'anti-cerne qui file dans les plis. J'en mets partout... Alors ça me faisait marrer l'autre jour quand vous disiez que vous étiez influençable pour le maquillage. Moi aussi, hein. Je viens d'acheter du fond de teint Chanel parce que Lulabi et Katia Aline avaient dit qu'il était top. Cela dit, elles n'avaient pas tort, j'en suis vachement contente. Mais bon, 37 euros quoi. Je peux vous dire que quand je suis arrivée à la caisse, j'étais là. Ah oui, mais alors moi j'étais habituée au Aven à 13 euros. Voilà. Qui est largement aussi bien. C'est juste que j'avais envie de changer, ça doit faire à peu près un an que j'utilisais du Aven donc... Voilà, donc vous voyez, je le sors bien. Hein. Faut que ça se voit, quoi, sinon c'est triste. Ça suit la forme du sourcil, à peu près. Ensuite, je vais faire le ras-de-cils avec la tranche du pinceau. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau assez bien plat et assez fin en tranche. Ah ! Ce miroir qui est trop près. Enfin, c'est parce que je suis myope hein, qu'il est trop près, en fait. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai ma forme... espèce d'amande allongée qui sort comme ça, même un peu plus. Ensuite, je prends un estompeur, là je prends un petit estompeur Coastal Sense, et j'estompe tout. Vous voyez comme ça s'estompe bien? Bon, évidemment c'est aussi parce que j'ai pas de base, hein. Si j'avais une base, je vous raconte pas, mais il n'y a pas besoin d'en mettre. Donc voilà, là c'est estompé. Ah, je m'en suis mis dans l'œil. Hell the fuck. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris mon 14S, qui est assez idéal pour faire ce genre de choses. D'abord parce qu'il est précis sur la paupière, et ensuite parce qu'il permet de prendre sur une toute petite zone comme ça. Et je prends du noir, qui est un vrai beau noir mat, magnifique. Faudrait que je l'essaye tout seul pour voir ce qu'il donne. Et là, bah, je fais un outer V, quoi. Que je sors un peu quand même pour qu'on le voit. Vous voyez? Je fais le premier trait clac comme ça, et le deuxième clac comme ça, je reviens. Puis je blende un peu à l'intérieur. Et pour l'extérieur, je vais blender comment? Comment j'ai fait de l'autre côté? J'ai repris mon estompeur, mais c'était pas très heureux. Je vais quand même le reprendre. J'y vais par petites touches pour pas perdre trop d'intensité. C'est pas du tout pareil. Du tout, du tout, du tout.
toute façon, l'estompage, c'est toute l'histoire de l'estompage. Enlever, remettre, hop, je fais le ratil inférieur. Ah, putain ! Finir par couper les queues de ces pinceaux, ça commence à me saouler, quoi. Ou par porter des lentilles. Donc, voyez le coin, faut bien que ça se rejoigne. Faut que ce soit bien droit. Voilà, je vais encore estomper un petit peu. Et en plus, ils font pas de chute. Que demande le peuple ? Oh, mais ça me paraît pas mal du tout, c'est même mieux que de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, évidemment, j'ai ma paupière auto-tachante. Ce qui est toujours un problème. On est bien d'accord. Oh, qu'il est joli. Il ressemble un peu aux marmottes cendrées, en fait. De Ménard. J'en ai moins de ce côté-là, du coup. La malédiction de l'œil droit. Vous voyez, c'est là que c'est auto-tachant. Ça veut pas. Je mets du fard, il n'y a rien, il y a un trou. Il se passe rien. Espèce de vortex maquillesque. Délirant. Ouais, ça fait un trou blanc. C'est dingue. Bon, c'est bon. Et enfin, je prends un autre petit pinceau qui a rien du tout. Enfin non, pas un rien du tout. C'est un paupière ultra fin, Sephora. Bon, c'est un tout petit pinceau, quoi. Et je prends du blanc. Qui est nickel. Qui est juste comme il faut. Les couleurs Armani sont hyper bien dosées. C'est ni trop pigmenté, ni pas assez. Ça s'estompe bien. Enfin, c'est vraiment des fards faits pour être utilisés par les gens qui savent pas se maquiller. Comme tous les fards de... Tous les fards non pro, hein. Mais sauf qu'on se fout pas de la gueule du monde avec, avec des couleurs qui tiennent pas et des machins qui ressemblent à rien. Non, c'est assez top, je dois dire. J'étais déjà convaincue, je le suis encore plus. Bon, voilà, je rattrape mes petits défauts d'estompage. Là, je renonce à détacher cette paupière auto-tachante parce que ça me saoule. Voilà, donc... Ah, j'adore. Il y en a d'autres, je sens que je vais faire des essais. Un petit coup de mascara. C'est pas pareil. Bon, et ben, tant pis, ce sera pas pareil, hein. Pas y passer la nuit. Je suis complètement emballée par ce truc. Je trouve ça, le résultat est extrêmement chic en plus, parce que comme toujours chez Armani, les couleurs sont très élégantes. Je suis emballée. Emballée. Puis alors, l'idée d'avoir tout dans un seul boîtier, je trouve ça assez cool. Dont, tout surtout, dont un vrai clair et un vrai foncé. Parce que d'habitude, toutes les palettes, vous avez toujours, en réalité, un vrai clair et trois couleurs moyennes ou deux couleurs moyennes. Mais vous n'avez jamais de vraie couleur foncée. Et parfois, le vrai clair est trop foncé de son côté. Enfin bref, c'est relativement, relativement mal fait, en général. Alors que là, on a les intensités qu'on veut. Et c'est, vous voyez, c'est important d'avoir ces trois intensités différentes. Sinon, on a juste un espèce de halo beige et c'est chiant, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Ben non, c'est bon, le rouge à lèvres je l'ai mis. J'ai mis du Blow Dry de MAC, qui est un corail quoi. Il est très joli, je l'aime beaucoup. C'est parce que je me suis un peu loupée avec le blush sur les joues, c'est un nouveau que j'essaye. Encore un nouveau. C'est le Melba de MAC, qui est hyper pigmenté. Faites super gaffe. Et du coup, je me suis retrouvée avec les joues complètement orange, donc j'ai estompé comme j'ai pu. Et du coup, j'ai mis un rouge à lèvres d'une couleur un peu chaude pour que ce soit harmonieux entre la bouche et les joues. Oui, c'est ça, la bouche et les joues. Ouh, un petit peu de mal aujourd'hui. Donc voilà, donc vous voyez, différence d'intensité, beau boîtier, belle palette, joli résultat qui va à tout le monde. Couleur qui va rigoureusement à tout le monde. Bon, bah les filles, j'espère que ça vous parle, ces histoires d'intensité, parce que c'est très important, presque plus que les couleurs. De savoir manier les intensités, c'est presque plus important que de savoir manier les couleurs. Donc, je vous attends au tournant avec vos photos. À bientôt.